Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour le deuxième indispensable du trousseau naissance, le bavoir. La semaine dernière, nous avons cousu le doudou. Vous pouvez le retrouver dans mes dernières vidéos. Je vous présente tout de suite les deux modèles. Voilà les premiers modèles que je vous propose de coudre. Un bavoir bicolore avec finition passepoil c'est une version qui va par exemple correspondre plus facilement à un petit garçon en changeant les coloris. Donc il est lui-même, donc celui-ci c'est le 0,9 mois, il est lui-même réglable en taille grâce à deux pressions sur les côtés. Soit vous mettez la première position, soit vous mettez la seconde. Comme ceci. Même principe pour le second bavoir, mais qui est plus destiné aux filles. Le bavoir à frou-frou. Ici, vous avez la taille 9-18 mois. Et voilà, elle a un volant sur tout le tour. Donc, les patrons sont gratuits. Très bonne nouvelle. Vous allez voir, ils sont faciles à obtenir. Premièrement, si vous voulez obtenir les patrons, la manière la plus simple, c'est de rejoindre mon groupe Facebook qui se nomme les tutos couture d'Aurore. Deuxième solution, vous n'avez pas Facebook, pas de problème, vous pouvez me demander les patrons par mail. Donc voilà l'un des deux patrons que je vous propose. Ici, c'est la plus petite taille, le patron est en deux parties, comme ceci. Donc, pour l'imprimer, ce qu'il va falloir faire attention, c'est de l'imprimer soit à taille réelle ou à échelle 100% afin d'avoir les bonnes mesures. Vous pourrez ensuite vérifier grâce au petit carré de mesure que vous avez bien imprimé vos patrons à la bonne taille. Maintenant, je vous parle tout de suite du matériel. Bavoir, vous allez pouvoir utiliser pour le dos soit du tissu nid d'abeille, soit du tissu éponge, qui sont tous deux tissus absorbants. Donc, pour réaliser le bavoir, moi, j'ai choisi d'utiliser un motif. Donc ici, les petits renards et ici, l'autre partie. Et c'est une sorte de velours. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait mettre deux cotons différents, ça c'est libre à vous. L'important, c'est de mettre sur le dos un tissu absorbant. Ensuite, pour le matériel, il vous faudra une pression qui se correspond, plus une deuxième, celle avec l'embout bombé, afin qu'il soit lui-même réglable en deux tailles. Pour le 0,9 mois, et ça sera exactement pareil pour le 9-18 mois. Voilà, maintenant, je vais vous présenter un dernier petit outil que je trouve important et qu'il est bien pour vous, si vous le souhaitez, d'obtenir. Et il est vraiment très pratique. C'est un petit accessoire à confectionner. Donc voilà les petits accessoires magiques que j'utilise tout le temps. Ce côté-ci sert à avoir de beaux arrondis et ce côté-ci à bien faire ressortir les pointes. C'est un outil très peu cher et vraiment très pratique. Je vous le recommande. Dernière petite chose, si cette vidéo vous plaît, ne partez pas sans vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et c'est très important pour moi. On continue. Allez, je vous montre la suite. Deux tailles différentes et deux finitions différentes. Ils sont tous les deux en deux parties et vous avez un carré de 2 cm pour vérifier que vous avez bien imprimé votre patron. Nous allons commencer par nous occuper du bavoir bicolore. Pour cela, vous allez commencer par tracer un petit repère de 7 mm sur un bout de papier afin d'ajouter une marge de couture sur le bas. Et vous ferez exactement la même chose sur le haut de votre pièce. Si vous effectuez le bavoir bicolore en taille 9-18 mois, il faudra faire un petit raccord sur cette pièce de patron car il n'y a pas l'espace suffisant. Mais vous procéderez ensuite exactement de la même manière. Ensuite, je trace une ligne qui passe par mes petits repères et je fais exactement la même chose pour le bas de la pièce. Je reprends mon petit repère de 7 mm, je trace des repères. Et ensuite, je pourrai tracer ma ligne de marge de couture. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire des petits raccords sur les côtés, comme ceci. Vous prolongez tout simplement votre ligne sur la pièce du bas, puis sur la pièce du haut. Il ne vous reste plus qu'à couper soigneusement tout le tour de vos deux pièces.
Attention de bien suivre les lignes avec votre ciseau. Et on n'oublie pas d'utiliser ces ciseaux coupe-papier et non pas les ciseaux de couture, car sinon vous risquez de les abîmer. Voilà le résultat obtenu une fois vos découpes terminées. Ensuite, vous allez prendre un petit pic à brochette comme cela et percer l'endroit des pressions. Ça va nous servir à marquer des repères sur notre tissu. Ainsi, vous saurez comment placer les pressions pour que votre bavoir soit réglable en deux tailles. Si vous réalisez le bavoir 9-18 mois, vous procédez exactement de la même manière. Ensuite, grâce à cela, nous allons pouvoir découper nos pièces. Vous allez découper vos pièces en vous plaçant sur l'endroit de votre tissu afin de marquer vos petits repères. J'ai replacé l'emplacement des points au crayon afin de les marquer et ensuite j'ai bien épinglé toutes mes pièces afin de les découper soigneusement. Voilà le résultat obtenu et j'ai mes trois petits points. Et de l'autre côté, j'ai maintenant également le bas de ma pièce. Maintenant, toujours si vous réalisez la partie bicolore, vous allez recouper une des deux marges de couture et vous servir de l'autre pour assembler vos deux pièces de patron afin de couper le dos de votre bavoir. Si vous le réalisez en une pièce, vous allez directement procéder à cette étape. Assemblez les deux parties bien bord à bord, soit avec de la colle, soit avec du scotch par exemple. Si vous avez un tout petit écart, si vous avez réalisé le bavoir bicolore, n'hésitez pas à le recouper. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à couper votre pièce du dos. Toujours pareil, je me place sur l'endroit afin de bien placer mes petits repères de pression grâce au trou que nous avons fait pour percer notre papier. Je reprocède exactement de la même manière. J'épingle soigneusement, je fais attention que mes repères ne bougent pas lorsque j'épingle. Et ensuite, je n'ai plus qu'à découper soigneusement tout le tour de ma pièce. Et voilà le résultat obtenu. On voit bien mes petites marques pour les pressions. Maintenant, je reprends mes deux pièces de tissu que j'ai coupées au début et nous allons placer un passepoil. Vous allez mettre la couture la plus jolie contre l'endroit de votre tissu. Et la corde doit se trouver vers l'intérieur. Et ensuite, vous allez pouvoir épingler soigneusement. Il faudra couper votre passepoil un peu plus grand. Si vous voulez vous aussi poser un passepoil, vous ferez vraiment bien attention. La corde doit se trouver vers l'intérieur et vous allez le placer sur votre tissu coton. Une fois que vous avez tout bien placé, il ne vous reste plus qu'à épingler soigneusement. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai bien épinglé et nous allons repasser pile sur la couture du passepoil afin de le poser. Alors, comment choisir le bon bavoir? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le 0-9 mois? Est-ce que je prends le 9-18 mois? Si c'est pour offrir pour un kit naissance, vous pouvez faire les deux modèles, ils serviront forcément. Si vous le faites pour votre enfant, et bien tout simplement, il faudra faire preuve d'un peu de bon sens. Si vous savez que votre enfant est à 9 mois et qu'il est d'un grand gabarit, vous allez tout de suite passer à la taille du dessus. Pareil, s'il a 8 mois et que vous savez qu'il est de nature assez grande, passez tout de suite à la taille du dessus. C'est parti pour la couture du passepoil. Vous allez vous placer correctement, bien droit et bien bord à bord pour coudre bien le début de votre passepoil. Vous pouvez faire quelques points dans le début du passepoil pour être sûr d'être toujours bien aligné. Vous voyez, mon passepoil est pile aligné sur le bas de mon tissu et je n'hésite pas à me replacer. Et n'oubliez pas de faire un point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu sur le devant et sur le dos. Maintenant, je vais placer endroit contre endroit ma deuxième pièce de tissu. Une fois que vous êtes bien placé, vous n'avez plus qu'à mettre plusieurs pinces afin de maintenir bien en place votre pièce comme ceci, et bien bord à bord. Si vous n'avez pas posé de passepoil, vous allez faire exactement la même chose. Voilà un peu, je vous montre ce que ça doit donner une fois que l'on aura tout cousu. Donc si vous n'avez pas posé de passepoil, il vous suffit de faire votre couture à 7 mm du bord. Là, nous,
Pour ceux qui ont posé du passepoil, nous allons repasser pile sur notre couture que nous venons de faire pour poser la première partie de passepoil. Ici, le passepoil va bien se retrouver en sandwich. Donc, voilà le résultat sur le devant et sur le dos. Et voilà le résultat lorsque l'on déplie notre pièce. Maintenant, pour bien finir, il nous reste à faire une surpiqûre. C'est parti pour la surpiqûre. Je me place à 1 mm de mon passepoil et je fais bien attention de bien aplatir tous mes tissus au fur et à mesure avec mes doigts afin de bien plaquer ma couture sur le bas, comme vous pouvez le voir ici à la fin. Lorsque vous allez couper le dos de votre bavoir, faites bien attention que vos pièces sont en miroir. Vous voyez ici ce qui m'est arrivé, j'ai coupé à l'envers. Si je veux mettre l'endroit contre l'endroit de mon bavoir, hop, et ben on se rend compte que je l'ai coupé dans le mauvais sens. Normalement, il aurait dû être coupé dans l'autre sens pour que mes deux tissus soient bien endroit contre endroit au moment de la couture. Donc prenez vraiment garde lors de vos découpes, les deux pièces doivent être en miroir et endroit contre endroit bien se correspondre. Maintenant, une méthode très simple pour avoir de beaux arrondis, il n'y a pas de secret. Ce que je vous conseille, c'est d'imprimer votre patron 4 fois pour la taille 18 mois, 9-18 mois, et 6 fois pour, si vous voulez, faire le bavoir bicolore. Pourquoi ? Eh bien, si vous aurez toutes vos pièces de patron que vous allez pouvoir garder et réutiliser si vous voulez faire plusieurs bavoirs. Au début, ça prend du temps de constituer toutes les différentes pièces, mais vraiment, après, vous allez gagner beaucoup de temps. Et le secret pour avoir des arrondis parfaits, c'est de recouper votre patron en enlevant 7 mm de couture sur tout le tour. Grâce à cela, vous allez tracer tout le contour et vous allez avoir quelque chose de très précis. Vous allez pouvoir repasser vos arrondis facilement en suivant ce tracé. Et c'est ça qui fera toute la différence. Ensuite, bien sûr, je vous l'explique dans le tuto, ce qui aide à avoir de beaux arrondis, c'est surtout de bien cranter. C'est super important pour que le tissu prenne bien la forme de la courbe. Alors, si tous mes petits conseils vous plaisent, ne filez pas. Maintenant, on va apprendre à coudre le volant. Voilà une autre technique un petit peu magique que je vais vous apprendre. Et on n'oublie pas, surtout, on n'oublie pas, on ne file pas sans s'abonner. C'est très important. Pour cela, vous allez découper une bande de 4 cm de large. Pour en calculer la longueur, je vais vous le montrer ensuite. Une fois que vous avez découpé la bonne longueur de bande, nous allons faire un ourlet tout le long de notre future bande à froufrou. Pour cela, je vais replier mon tissu une première fois sur une ligne que j'ai tracée à 1 cm. Puis, je le replie une seconde fois et je me place à 5 mm. Je me place de sorte à faire une couture à 5 mm en prenant un repère juste en-dessus de mon pied de biche. Et au fur et à mesure, je vais redresser comme ceci mon ourlet en faisant bien attention que j'ai toujours bien replié comme ceci mon tissu vers l'intérieur et je vais faire l'ourlet comme ceci sur toute la longueur jusqu'à la fin. Nous allons pouvoir passer aux fronces. Pour cela, vous allez mettre votre point au maximum qui figure juste là où il y a le petit doigt d'indiquer. Puis, il faudra mettre votre tension au maximum. Pour moi, le maximum est de 9. Attention, j'ai un tissu épais, une sorte de velours. Si votre tissu est un peu plus fin, vous pouvez mettre 7. Juste ici, vous pouvez voir ma petite astuce pour économiser du fil. J'utilise un fil de surjeteuse que je mets dans une tasse. Une fois ce réglage effectué, vous allez voir, c'est magique. Les fronces vont se faire au fur et à mesure, toutes seules, progressivement. Je me place à 5 mm du bord également sur le côté opposé de notre ourlet. Donc, voilà le résultat obtenu. J'ai mon volant. Et maintenant, pour savoir la longueur exacte que vous voulez, vous avez juste à mesurer le tour de votre bavoir et de voir où vous voulez qu'il commence et où vous voulez qu'il se termine. Ensuite, vous n'avez plus qu'à multiplier cette longueur par 1,5 pour savoir la longueur de bande que vous allez découper. Vous n'avez plus qu'à épingler votre volant sur l'endroit de votre tissu
L'ourlet du volant doit se trouver vers l'intérieur et le côté des fronces sur pile sur le bord de votre bavoir. Réglez soigneusement tout le tour et vous faites un petit repli pour les ourlets à chaque extrémité de votre volant. Et le but, regardez, c'est que le début des volants dépasse comme ceci à peu près de moitié afin que notre volant soit très progressif. Et ensuite, nous allons faire une couture de maintien sur tout le tour. Épinglez un maximum. Voilà comment vous allez vous placer sur le début. Le but est de faire dépasser de moitié le volant pour qu'il soit progressif. Ensuite, on va rattraper la couture que nous avons faite pour effectuer notre fil de fronce. On va repasser pile sur le fil qui nous a servi à faire les fronces. Et ensuite, on continue de coudre en suivant le plus parfaitement possible la courbe de notre bavoir. Toujours la même chose, hein. Voilà, on repasse le plus exactement possible sur notre fil de fronce qui se trouve à 5 mm à peu près. Le but est surtout de bien écraser au fur et à mesure aussi votre volant avec vos doigts. Attention, hein, pour rappel, le volant est bien placé sur l'endroit. Et à la fin, je fais en sorte de prendre mon ourlet du volant dans ma couture et je fais un point d'arrêt. Et c'est terminé. Voilà le résultat obtenu et maintenant nous allons bien rentrer comme ceci notre volant vers l'intérieur. Pour fixer le volant sur votre tissu à motif, n'hésitez pas à garder les mêmes réglages que pour les fronces. Et vous voyez sur le dos, ça dépasse, on recoupera le surplus ensuite. Donc, je récapitule toutes les étapes. Pour faire le volant, vous allez découper une bande de 4 cm. Mesurez le pourtour de votre bavoir où vous voulez que ça commence et où vous voulez qu'il finisse et vous allez multiplier cette longueur par 1,5. Ensuite, vous allez fixer votre volant sur l'endroit de votre tissu. Et voilà une autre histoire de riz qui peut vous arriver. Placez votre volant à l'envers. Il va vraiment falloir faire attention de bien poser votre volant endroit contre endroit avec votre tissu à motif où vous allez vous retrouver avec un volant dans le mauvais sens. Maintenant, vous allez prendre la seconde partie de votre bavoir, ici mon tissu nid d'abeille, et vous allez épingler soigneusement les deux tissus ensemble, endroit contre endroit. Le volant doit vraiment être pris en sandwich entre les deux. Vous devez épingler votre tissu bien bord à bord. Et progressivement, vous mettez un maximum de pinces pour qu'il se trouve à l'intérieur. Dernière petite chose, pour faire la couture de maintien du volant, vous pouvez garder les mêmes réglages que pour les fronces afin de le placer plus facilement. Et on épingle surtout un maximum sur tout le tour. Si vous avez réalisé la version passepoil, c'est la même chose. Vous avez épinglé votre second tissu endroit contre endroit. Et enfin, attention sur le côté du bavoir d'avoir laissé une ouverture d'au moins 7 cm. Pour me repérer, je mets deux épingles. C'est parti pour la couture du tour. Je vais l'effectuer sur le bavoir à passepoil. Vous verrez mieux car il est plus petit et j'ai bien fait mon tracé sur tout le tour. Donc, on commence à la première aiguille, on fait un point d'arrêt. On fait bien attention que nos deux tissus soient bien mis bord à bord. Et vous voyez, je vais suivre pile le tracé que j'ai fait sur mon bavoir en recoupant les 7 mm de marge de couture. Pour l'arrondi, vous faites attention, vous y allez vraiment très progressivement. Aiguille plantée, vous tournez légèrement votre tissu pour continuer de suivre votre tracé. Ensuite, gardez votre bavoir marge de couture comprise et gardez également le bavoir qui n'a pas les marges de couture comprises. Ainsi, vous gardez toujours les deux et dès que vous refaites un bavoir, et bien vous avez vos deux patrons avec et sans marge de couture. Et vraiment, c'est la méthode la plus facile et la plus efficace pour avoir des arrondis parfaits. Vous voyez, je vais vraiment très lentement et je fais en sorte de suivre pile le tracé que j'ai fait. Et arrivé à notre deuxième aiguille, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Et on a, grâce à cela, notre ouverture d'à peu près 7 cm. Mon ouverture se trouve juste ici et après, j'ai cousu sur tout le tour.
et j'ai fait un point d'arrêt à la fin. Je vous montre mon ouverture est juste ici. Ici, ce n'est pas cousu et pareil pour celui à volant. Maintenant, pour celui à volant, si c'est celui que vous avez effectué, vous allez recouper comme ceci le surplus du début. Maintenant, que ce soit pour le bavoir à volant ou pour le bavoir à passepoil, il va falloir cranter les arrondis. Vous allez faire des entailles qui s'approchent au plus près de votre couture et vous allez vraiment en faire un maximum. J'en fais tous les 1 cm à peu près. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir de très beaux arrondis car le tissu va plus facilement épouser les formes. Si vous avez un ciseau cranteur, vous pouvez effectuer cette étape également au ciseau cranteur. L'important est vraiment de s'approcher au plus près de la couture mais surtout sans la couper et on fait un maximum d'entailles sur tous les arrondis. Ensuite, si vous avez des surplus de tissu, n'hésitez pas également à les recouper. Par exemple, pour moi, j'ai du surplus de tissu au niveau de mon tissu éponge qui est juste en dessous. Vu que j'ai fait un tracé sur tout le tour, je peux me permettre de découper moins soigneusement mon tissu éponge ou nid d'abeille car je vais suivre ensuite mon tracé qui est sur mon tissu à motif. Couper les surplus de tissu va également nous aider à avoir de beaux arrondis car il n'y aura pas de surplus de matière dans les angles. Si vous avez effectué le bavoir à volant, c'est exactement la même chose sauf que notre couture de maintien du volant est juste avant notre couture du tour du bavoir. Vous pouvez donc couper la couture qui nous a servi de maintien pour le volant. Et ensuite, c'est parti. On n'a plus qu'à retourner par l'ouverture. Voilà, allez-y progressivement. Le but est de ne pas percer votre tissu. Et j'utilise mon accessoire à confection d'angle et j'utilise le côté arrondi de mon accessoire pour faire ressortir mon arrondi au maximum. Je vais faire la même chose exactement de l'autre côté et je fais aussi bien ressortir l'arrondi du bas de mon bavoir. Et voilà, je n'aurai plus qu'à faire ensuite exactement la même chose pour le bavoir à volant. Je vais retourner progressivement mon ouvrage et faire ressortir mes arrondis. Et maintenant, c'est reparti. On va pouvoir faire exactement la même chose. Retourner notre ouvrage par l'ouverture pour le bavoir à volant. Une fois cette étape terminée, il est très important de repasser votre bavoir. Et voilà le résultat, une fois que vous avez fini de repasser et épingler votre ouverture. Nous allons maintenant faire une sous-piqûre à 2 mm. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer aussi cette couture pour le bavoir à volant. Donc c'est parti pour la couture, je décide de me placer juste après mon passepoil et de coudre uniquement ma partie de tissu en coton. Et je fais bien attention de suivre sous ma machine un repère à 2 mm du bord afin d'être le plus juste possible. Et comme tout à l'heure, on est très progressif dans l'arrondi pour être sûr de toujours coudre à la même hauteur. Ici, je souhaite coudre à 2 mm du bord. Aplatissez bien vos tissus entre vos doigts pour faire une jolie surpiqûre. Et vous pouvez également allonger votre point afin que les points ne soient pas trop serrés, ce sera plus joli. Et on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu ici, j'ai fait tout le tour de mes arrondis et je me suis arrêtée ici. Maintenant, je décide pour le bavoir à volant de faire un point invisible avec du fil et une aiguille. Je vais refermer mon ouverture à la main en faisant attention qu'il ne soit pas visible, que mon point ne soit pas visible du côté des volants. C'est parti, je vous montre. Je fais tout simplement quelques points. Pareil, je maintiens bien mon ouverture et je fais quelques points entre mes deux épaisseurs de tissu, mais en faisant attention que mon fil ne se voit pas du côté du volant. Vraiment pour vous montrer les deux méthodes, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Par contre, si vous voulez par exemple passer votre bavoir en machine, il va vraiment falloir faire des points très serrés et être sûr que ce soit bien solide. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à poser les pressions.
Vous allez mettre les embouts bombés du côté où on met les deux pressions. Donc vous percez votre tissu. Là, vous avez le côté arrondi vers vous. Donc vous vous fiez bien hein, au petit repère que je vous ai mis sur les patrons. Si par hasard votre point n'est plus placé au milieu parce qu'il y a eu des décalages pendant les coutures, pensez à vous recentrer, mais à vous placer plus ou moins pile au bon endroit. Et sur cette partie, je mets le côté plat de ma pression. Même chose pour l'autre. Et voilà le résultat une fois que vous fermez vos petites pressions. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important, c'est gratuit, c'est facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? C'est important pour moi également de savoir vos avis afin de m'améliorer. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto.